Niger est un immense territoire enclavé d'1 267 000 km². Les trois quarts de cette superficie sont occupés par le désert. Le Niger a accueilli au cours de son histoire des peuples très différents. Aujourd'hui, les sédentaires plus nombreux comprennent les Haoussa au centre du pays, les Arma et Songhai dans les régions du fleuve et les Kanouri à l'est. Les nomades, eux, sont représentés par les Touaregs, les Toubous, les Peuls et les Arabes. Comme dans de nombreux pays où le climat est rude et les pluies rares, une activité importante s'est construite autour de ce fleuve qu'est le Niger. Ayourou, situé aux frontières du Mali et du Burkina Faso, est peuplé par les Bella. Son marché dominical est le point de rencontre des nomades des zones frontalières. La vie économique est en grande partie concentrée sur une bande large de 250 km autour du fleuve Niger et le long de la frontière avec le Nigeria. C'est là que vit 90% de la population, qui est estimée à 12 millions d'habitants. La densité des populations varie de 80 habitants au kilomètre carré dans la région de Maradi à moins de 5 habitants dans les zones désertiques. L'exode des campagnes vers les villes est important. D'ici 2025, la population du Niger sera vraisemblablement multipliée par deux. Yeah.
L'économie est traditionnellement dominée par l'agriculture de subsistance. L'agriculture nigérienne reste essentiellement pluviale. À l'exception des périodes de sécheresse, le pays est autosuffisant en produits de base. Une bonne campagne agricole est la préoccupation majeure des autorités car elle concerne 90% de la population. Mais la croissance démographique est plus élevée que le progrès agricole et la désertification s'aggrave de jour en jour.